Ce n'était pas un bon endroit pour Nalobango. Mais Boketu, c'est là où il est. Quand il va me voir parler, moi, je l'ai déjà sauvé la vie ici en France. Je crois, mais ça dit, tout ça, on avait une mission en 2011 sur le Kiba Archive de Mona. Naïb Sarayoke, mais c'est Vital Kamere. Parcours Naïb Sarayoke, ma ventire. Ah, ok, Naïb Sarayoke, il parle en 2011. Tu sais, tu vois, tu as vu ce qu'il avait fait en 2011. Voilà, peut-être il a changé, comme on dit qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Comment Bino Bondimi Bokende na élection Oyobobi qui est machine et sa machine à tricher? Moi je dis, Félix va venir en Europe, Félix fera des conférences ici, il n'y aura personne. Il n'y aura personne à Obima ou à la Fesa ou à la Taouta ou à la machine à mon peuple à l'ingangoté, connaissant quand même notre peuple. Tous à la même bateau, tous à la même bateau, toujours comprendre dans ma cambo. Peuple congolais, comme on a niveau, on sait la machine à voter. Téléphone à Pamba, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas utiliser ma téléphone tactile. Bah, ils vont utiliser un voté. Au soutien, quand on a la machine à voter, tout courant, on a peuple à voter. Depuis quelques années déjà, le problème de la nationalité congolaise a pris des proportions inquiétantes, au point de se demander s'il existe réellement des Congolais de souche. Car tout le monde soupçonne tout le monde. Kabila va reprocher d'étrangers. Azaka Mopaya. Moïse Katumba reproche d'étranger. Azaka Mopaya. Koyoka Félix na monokonego be koko naye. Aza angolais ayaki na âge ya 6 ans. Ma mère est congolaise, vraiment à l'aise, azo se sentir maintenant congolaise et puis d'origine du Kasaïpe. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, Odogo Abota maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outakangola. Il n'y aura personne à Obima ou à la Fesa ou à la Taoutawapi. Tomonaï. Oriana Mundouki, qui ne sait pas manier des armes. Oriana Mbeli, Naebo Chambelite. Nabitumba, Naebo Bundati. On est tous des voyous. Et ne donne pas des copains à Batoubaba. Baninité, ba commandement est ngana lobi yo lo batageki. Boketwa lo batageki. Qui vient ici qui parle? Aya ya lo baboketwa yawa, Félix a oya boketwa lo ngwa Belgique yawa, ba yawa ba ngotuna ba esonde ba chaka makele lo na ba ya. Ba umona ilo go ba lo baka, mboka na mboka yana mukunzi nangu. Ba kuda so ba mikunza mboko to sali. Ba ya. Arnold de Fouma. Chers amis, vous êtes sur Congo Number One CNN News, l'actualité en temps réel, en collaboration avec Arnold Vouma, 500 000 pixels. Notre invité d'aujourd'hui s'appelle Wadeni Moulamba. Deni Moulamba, que vous connaissez si bien, un natif de Bandalunga, comme il n'arrête pas de le vanter. Nous allons parler de la politique et de l'événementiel. Voilà pourquoi nous allons parler avec Deni Moulamba. Wadeni Moulamba, bonjour. Bonjour Wadeni Moulamba. Boni, qui m'est-ce? Ça va, qui m'est allé? Wadeni Moulamba, le fondateur de El Paris, Wenge. Bon, tout le monde monté. Oui, il a beaucoup de ça. Ok. Alors, tout le monde est venu, il y a Félix Tshisekedi dans le congrès. Tu étais parti là-bas. Oui. Félix Lelo a gagné comme président de UDPS. Pour Nayo, est-ce que les Congolais vont se payer? Bon, pour Nangaï, Bakongole va se payer parce qu'il y avait que ça qu'on attendait. Donc, il fallait quand même Mutumoko a remplacé le feu président et Tshisekedi, a remplacé le charisme n'a été, le poids n'a été, mais Mutumoko a remplacé pour un jour comme appelé le charisme n'a été, le poids n'a été. Bakongole va se payer. Félix Tshisekedi a eu président, c'est une dépêche parce que Aza Mwana Tshisekedi. Aza Kassayen pour ne pas dire Moulouba, ou bien parce que Aza compétent, ou bien Aza mérité. Bon, au moins, Félix Tshisekedi, Aza Kassayen était, Aza Mwana Tshisekedi était, mais Aza Congolais. Et puis, Aza Moulouba. Aza Moulouba était, Aza Congolais. Au moins, Aza la compétence, soit, Aza le niveau où il y a remplacé Nani. Le fait président Tshisekedi. Au moins, il y a un peu de temps. Franchement, je ne sais pas comment dire ça. Pour la boue, il y a un traité, je ne sais pas de quoi. Mais ils ont dit moi, injustice, mon boue. Jean-Pierre Mbemba porte le nom de son père. Jean-Pierre Mbemba. Ngombo.
Mais bah, tu as un Ngombo Jean-Pierre T, tu as Jean-Pierre Mbemba. Mais tu sais que dit Félix, c'est le nom de son père. Mais les gens veulent seulement l'appeler Chilombo. Pour pas l'on a un Ngombo et papa n'a. Non, c'est pas comme ça. Manda Mobutu, c'est le fils de Mobutu. Tu comprends? Donc, pour nous, Félix n'a pas remplacé son père. Félix a été politicien. Oyo a l'équipe ligne nous sont normales pour qu'on place Yazali. Denis Moulamba, tout le monde qui na congrès il y a UDPS il y avait trois candidats. Comme par hasard il y avait Kédéba Louba. Après candidat Monko il y a Moutété là où il y a Bimaki. Quand on voit que le Balouba n'a trop de UDPS, faut pas tout pas qu'elle s'en UDPS c'est quand même Balouba. Bon, au moins, Nazo n'a pas sa réponse pour la réponse. Non, on n'a pas sa réponse pour la réponse. Nazo n'a pas son effet. Nazo n'a pas son kamoué de Kavana Kongo. Kizenga, Moutabandondo. Celui qui a remplacé Kizenga, c'est Moutabandondo. Mais pas lui, c'est Moutabandondo, c'est le Congolais. Donc, réponse, il y a moi. Moutou a remplacé Kizenga, c'est Moutabandondo. Mais pas lui, c'est Moutabandondo. Il y a qui s'en a pas lui à lire. Sans tricage. Nous devons battre Félix dans le moment où il est là. Parce que l'IDPS, c'est le seul parti au Congo où ils allaient planter dans tout territoire, partout dans le Congo, Mobimo, même à l'étranger. Mais c'est l'Ondolé, nous avons surpris, dans le commun à congrès, dans mon IDPS angolais, ils allaient représenter. Il y avait même des gens de l'IDPS Brésil. IDPS Brésil, Bazaki. Malgré Bazaki sur place, mais on s'est communiqué avec ces gens-là. Donc, pour Nangaï, ce va être une élection normale, sans tricage. Nous devons battre l'IDP Saate. Le candidat IDP, nous devons battre Yazati. Alors, vous proposez candidat unique. C'est-à-dire que majorité, soit presque candidat Nabango, Bino IDP, opposition, boni candidat Azaka Moko. Na kombo ya Félix Tshisekedi bongo Moïse Katumbi Gabriel Moki bokanise bango Martin Fayulu Olenga Nkoy bango to balingi lokango mais ça dit l'ondolé déjà il faut le mola Olenga Nkoy a son opposition té Olenga Nkoy a koma azana ye na majorité. Et puis, je ne sais pas ce que Gabriel Mouk... Vital Kamere. Oui, peut-être Vital Kamere, je ne sais pas. N'aibite ce que Gabriel Mouk est en opposition, je ne sais pas. Bon, ce que je vais te dire, c'est quoi ça? Et comme il y a une négociation politique entre ma parti, ma plateforme, ma solo là, ma sa candidat unique. Ma autant la critère, ou ma ou ma yébi. Bon, ah, tout à la bouille. Bon, MLC Sazali, IN Sazali. Esside Azali, Bafandi, Basololi, avec IDPS, avec tout le monde, avec OK, Bisonio Soto accepté, tous en candidat unique, candidat à Bisoko, on a son goulot Pakala, Baché et Liboso, et puis bon, on va soutenir rien. Donc, voilà, comme il y a un problème politique, ils vont négocier, ils vont parler de ça. Bah, Moïse, tout ça, ils vont parler. Donc, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas que IDPS a imposé à Zala, non, bah, autant à ma critère, il y a ma parti. Ce n'est pas du fait que nous sommes politiciens, ce n'est pas du fait que nous sommes aux alliés, opposants, nous avons mérité, aux la place. Non, chance nos amis. Gabriel Mouga soit qui est la candidature en tant que président de la République. Chance les amis. Dans la même province, na Yemogo, à Zanaba, va dérenter. La province na Yemogo, parti de la représentée. Donc voilà, à Outala Yemo a dit que oui, voilà, on a préféré soutenir Jean-Pierre Mbemba. Tout à soutenir Moïse Katumbi, tout à soutenir Moutouboye, plutôt que Lina, et c'est comme ça que ça va se faire. Je crois que c'est Est-ce que Bozana, Bozo Banga, ba candidat, Baza le Bélé, Yango Bozo Senga Bozan Kandamoko? Non, au moins, il y a eu tout ça en 2011,
Parce que tous en a deux tourtés, tu en a tour moko. Alors bozo banga ku moki a Gabriel Moka s'est présenté, bozo banga Clovis Kabongo Malemba a s'est présenté, bozo banga Moïse Katouma, bozo banga Moïse Katouma s'est présenté, bozo banga Nini. Non, Moïse Katouma c'est notre allié, tu vois banga été. Au moins Monsieur Adil Ondolé et logo qui non Malemba. Monsieur Adil Ondolé. Faire la précision. Monsieur Adil Ondolé, Moïse Katouma tu vois banga été. Asa allié na biso. Pour vendre dans la maison de Sodola, pour trouver un compromis. C'est ça la politique, il y a des compromis. Politique, bah, racharment, la force, dans ma confité. On va en parler. C'est notre allié. Jusqu'à preuve du contraire, allié Nabisso. Là, il n'y a pas de souci. Je crois, mais ça dit, tout ça, là, on avait une mission en 2011, sur le Kiba Archive de Mona. Naïb Sarayoke, mais c'est Vital Kamere. Parcours, Naïb Sarayoke, ma blague, ma ventire. Ah ok, nous sommes nulle part en 2011. Tu sais, tu vois, tu as vu ce qu'il avait fait en 2011. Voilà, peut-être il a changé, comme on dit qu'il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Donc, nous sommes tous les gens vanda, tous solo là. Il n'y a pas autre chose, on va en parler. On aura un candidat unique. Ce qui va politiser, il y a un candidat pour nous, un candidat unique. Donc, c'est que tu peux ça. Opposition, chance, tu es gagné. Il faut un candidat unique. Bozo banga nani en face de nous. Banga mutute parce que en face de nous on voit rien. C'est que bozo banga. Mais tozo banga mutute parce qu'en face il y a rien. Il faut toyer en face pour nous parce que Kabila sera pas candidat. Mais en face il y a rien parce que Kabila il sera pas candidat en 2018 là. Mais tozo banga nani, il faut quand même quelqu'un en face de nous. Et Denis, on va pas avoir peur de qui? Denis Moulamba. Toke na be élection, bobengi machine à voler, à tricher. À tricher comme vous voulez, machine à voler, machine à tricher comme vous voulez. Si vous avez une élection, bino na machine à tricher ou na machine à voler, vous avez une élection na machine. Bon, au moins une machine, il y a toujours ça la banine, machine à mon peuple à l'ingangoté, connaissant quand même notre peuple. Tout ça va même battre, tout ça va même battre, toujours comprendre dans ma campe. Peuple comme on a commis un niveau, on sait la machine à voter. Téléphone à Pamba, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas utiliser ma téléphone tactile. Bah, il faut utiliser un voté. Au soutien, quand maman la machine à voter, tu es courant voté. Peuple a courant voté. Même les mots que tu vends, pour battre la machine, il ne faut pas ça, là, non. Comment ça s'appelle? Bah, peuple, comment il faut le faire? Nous, on n'a pas encore arrivé là. Tu es courant voté, votre machine, maman, tout ça, on est. Dis-moi, dans le village, dans le village, dans le village, dans le village, dans le téléphone tactile. Bazala route na ni noté na ba iPad ti o yele ka mon machine voter ça nene dans mon village na travers ça nene moi ba voter aux alaté donc tout ça on attend alors alors maintenant dis-moi comment bino bondimi bokende na élection oyo bobi ke machine esa machine à tricher notre limite on tout ça on dénoncer moi depuis longtemps tout ligne machine à voter soit taliba ba déclaration nous soit ba responsable nanga donc ils veulent pas de machine à voter. Tolingi a voté depuis longtemps. Bazo, comment ça s'appelle? Bazo a imposé machine à voter, mais Bisso Tolingi a voté. Même pas Bisso, parce que Bélé Balingi a voté. Alors, jusqu'à là, va maintenir en haut. Est-ce que l'élection aura lieu avec vous ou pas? Bon. Avec la machine à voter. Avec la machine à voter, je crois que ça va être difficile que tout qu'une élection, la machine à voter. Mais je ne saurais pas te dire que ma élection aux Alas ou bien aux Alaté, si vraiment c'est ce que tu veux. Donc, dans une impossibilité, ouais, parce que ma élection aux Alas ou bien aux Alaté. Mais pour la machine à voter, je te dis que non, le peuple vraiment a utilisé la machine à voter. Nous avons une vidéo, je pense que la réalisation avec Arnold Vouma, 500 000 pixels, à l'exception de l'Oyo, où Félix Tshisekedi dit que Kokonaye. Aza Angolais ayaki na âge ya 6 ans. Totalement. Depuis quelques années déjà, le problème de la nationalité congolaise a pris des proportions inquiétantes, au point de se demander s'il existe réellement des Congolais de souche. Car tout le monde soupçonne tout le monde, et, à ce rythme-là, d'ici quelques années, tous les Congolais auront simplement perdu la nationalité congolaise, c'est triste, mais c'est la réalité. Accusé d'avoir une femme rwandaise et une mère angolaise, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, est contraint de s'expliquer, au pire, se justifier. Ma mère est congolaise,
vraiment à l'aise, à se sentir maintenant congolaise, et puis d'origine du Kasaïpé. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, donc ouais, Bota maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outakangola, il est venu à l'âge de 6 ans, puis à Koli na Congo, à Bali Mwasi Naye, ma grand-mère qui est qui a donc c'est-à-dire elle est dans la Katakongo, quoi. Elle a un peu de sang Katangé, un peu de sang Tétela, et puis du sang Louba. Donc par rapport à Babotinae, quoi. Donc elle a un côté Katangé, un côté Tétela, un côté Louba. Ça, c'est ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, d'une région, Angola. Parmi les langues nationales, il y a le Tiluba. Et c'est dans ce patelin-là. Alors, comment est-ce que les gens de Bazolo Batiluba connaissent que Zabalouba a émigré? Ça, c'est ce qu'on explique comme histoire. Que Zabalouba a émigré à l'époque, ce qui est à la période Nignon, enfin, bref, est-il que c'est ça la situation? Mais ma mère est née congolaise. Elle est née au Congo. Et elle est née congolaise. D'ailleurs, elle ne parle que les langues congolaises, Ayebi. La langue, il y a angolaise. De deux, mon épouse est de Bukavu, elle est née à Bukavu. Elle a évolué un tout petit peu là-bas parce qu'elle a perdu ses parents très tôt dans un accident. Elle était d'ailleurs vraiment bébé, Yeba même pas Bango, la pauvre. Donc elle a grandi grâce au soutien d'un ami de la famille qui était un abbé à Bokoli Bango, Nabayan, Nainyoso, Ameni Bango, comme c'était un aumônier Bango, Naba, la mutation Naeva Rotinde, Naba Katangati, Aevo se retrouver à Kinshasa. Mais elle est née à Bukavu et elle est de la tribu des Bashi, famille Naye et Vivaka na Bukavu, Mboka na Bango et Zali. Alors maintenant, si Nangweche, voilà, Mboka na Bango Zali Nangweche. Alors si maintenant vous me dites Nangweche est au Rwanda, Bangweche est au Rwanda, est au Congo, alors oui, elle est rwandaise. Et si Nangweche est au Rwanda, est au Congo, alors s'il vous plaît, mettez fin à ce débat parce que c'est un débat bête, méchant et inutile. Donc je crois que les Bashi sont bien des Congolais. Les Bashi, jusqu'à preuve du contraire, ne se trouvent pas au Rwanda. Et même si ils étaient au Rwanda, je ne vois pas quelle aurait été la différence. Elle restait ma femme. Je ne vois pas en quoi Naza criminel, to Naza n'a droit à participer à un débat. Et où est-ce que la Mboka n'engagé parce que j'aurais épousé soi-disant un Rwandais. Denis Moulamba, Kabila va reprocher d'étrangers à Zakamopaya. Moïse Katumba reproche d'étranger à Zamopaya. Koyoka Félix na monoko nègre kokonaye aza angolais ayaki na âge ya 6 ans. Siko Félix aza congolais to aza angolais. Tant bazoboya Kabila na Moïse Katumba siko Félix to sandingini. Mais ça fait rigoler votre question. Adi Kokonaye, papa ya Félix a koufi na 84 ans. Maman naye. Non, papa naye. Exactement. Maman naye a 80 ans. Donc Kokonaye tant qu'il na Congo fait ça va 100 et quelques années là de passer. Ce qu'il faut tout zonga que royaume Congo, on ne peut pas dire qui était congolais à cette époque-là. Il y avait 1800 et quelques qui n'étaient pas congolais. À 1885, bah Kaboli, bah frontière. Et si son coco. Parce que moi, je n'ai pas regardé les trucs. Mais c'est toi qui m'apprends. Alors, dans son analyse, dans là. Si le coco de Félix, il y a un peu de YouTube, sur WAP, il y a un si le coco est là, il y a 1800 et quelques. On ne peut pas le traiter des Angolais. À Zalaki, dans le secteur Kuna, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de crise de Koti-Koto, il y a un peu de temps sans frontières. Il n'y avait pas de frontières à l'époque. Donc, son coco n'était pas en Angolais à l'époque. Donc,
asana ba a outé qui secteur wana mais tangwaye ko comme à la Congo à l'époque ba 1800 quelque. Donc pour moi on peut pas parler de l'angolais, on peut parler de l'Angola à partir il y a tango ba tracé frontière. Est-ce que aujourd'hui tu seras d'accord avec nous que asana makila bangolais? Non, on peut pas toko ta banalise wana parce que le papa de Félix il s'appelle Étienne Tshisekedi. Bakoko na yaye lobi place bakoko ba papa ne ba utité. Bakoko ba mama ne ba utité. Comme akila ngoso za bangolais et vous allez combien de pourcents? Je ne saurais pas te dire. Mais en lui-même, il est congolais de père et de mère. Sa maman est née au Congo. Son père est né au Congo, lui il est né au Congo. Combien de générations? Comptez des générations et tu vas voir. Moi, je suis aussi Moulouba. Bakoko ya biso ba utawapi. So otali na histoire à Congo au monaka tozo ba mingi ba utaka dikolo ba kitaki. Mais ezali différent na tant. Alors non pardon mon frère, excusez-moi là si ça termine. Ezali différent na tant tozo lo ba lelo que un tel il est rwandais. Ne to ba ki Rubero il est rwandais. Quand tu suis ligné à Rubero vers les années 50, Nengabo, années 50, années 60, donc ils ont venu du Rwanda. Donc il y avait déjà des frontières. Mais tant que ce Koko ya Rubero, à côté qu'il y a Rwanda, à côté qu'il y a Congo, avant frontière, on ne peut pas les dire que c'est Rwandais. Mais les Rubero qui sont nés vers les années 50, ils sont Rwandais. C'est différent là bas Koko ya Félix Bayaka ba Newana. Donc nazoko se justifier, nazoko justifier ni na Félix mais toujours là ndaka kanenge ba fonctionner dans ce ça là. Deni Mulamba. Lelo diaspora, il fallait qu'il vote. Ba refuser que ba diaspora ba vote parce que ba la mitan ezamoki. Yokolobani. En tant que un acteur politique on va dire. Bon pour moi notre pays n'est pas vraiment à diriger. Les gens qui sont à tête de notre pays, c'est des gens qui s'en foutent de tout ce qui se passe. Moi, je regrette beaucoup quelqu'un comme Obe Minaku qui est jeune comme moi. On est de même génération avec Obe Minaku. Donc, quand il prend ce genre de décisions, à tout tellement de bosso, vraiment, il y a peuple, soi-disant présent à l'Assemblée nationale, il ne veut pas défendre son peuple, c'est que c'est un danger pour la République. Alors, le reste avec tous les députés. Danger pour Nambokanabango. Parce qu'ils n'ont pas plus que des droits que nous. On a le même droit. Demain, moi, je peux devenir aussi président du Parlement. Tu comprends? Ce n'est pas. Abota pas président du Parlement. Il est venu, il a trouvé des lois. Donc, il doit suivre des lois qu'il a trouvées. Parce que la loi Wana, ils allaient peuple né, représenter le peuple de la loi Wana. En faisant ça, franchement, ça fait que mal. Ça fait mal. Ça fait mal, quelqu'un qui est né au Congo, qui a Kinshasa, tout ça, ben, ça fait mal. Denis Mulamba, pour chuter un peu dans notre émission, pour tout qui est tout à Makamobile, comment on a que Félix, ou Balina qui est na Poto Mobimba, quand la pour la retard à Komote, quand tu as la Stema Injembo, quand tu as la ba Bokechu premier, ba Komiko Boya Félix na Poto, Aza très très. Car le coup la papa n'a pas à trahir. Qu'est-ce qui se passe pour Nayo? Pourquoi réaction à Batoné Bakoumoubé Félix à Wanapoto? Bon, au moins, les gens ils considèrent peut-être. Et il est interdit d'ailleurs à celle de la conférence, la réunion à Poto. D'accord. Mais on a lobby. Qui a le droit d'interdire Moutouna Poto à celle quelque chose? Qui? Personne. Pourquoi tu parles sur le YouTube? Mais quelle est la loi de YouTube? Est-ce que tu es un combattant? Est-ce que tu es un combattant? Bokechu, qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec les Mobutistes? Bokechu. C'est que lui, Bokechu a fait, Félix n'a même pas fait. Quand Félix galérait ici, Bokechu était dans les joies. Et il a dit, 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 mais lui, c'est qu'il a fait. Est-ce que Mabino, Bokechu a dit, Sundama, Mama, Sundama. Est-ce que c'est différent de ce qu'il a dit? À ça, le combat est à la noble. À ça la combat naïe, à défendre ma belle naïe, sans pour autant appeler sa batouba injonction. Azana privilège, Azana droit à sa moto, ce qu'il va faire, ce qu'il ne veut pas faire. Moi je dis, Félix va venir en Europe, Félix fera des conférences ici, il n'y aura personne.
il y aura personne à Obima ou alors la face à Osala Taouta Wapi Tomonaï. Oya la Mundouki qui sait pas manier des armes. Oya la Mbeli n'a pas de mbélité. Nabitoumba n'a pas de. On est tous des voyous, mais ton lati costume ya kibomoto pour toujours défendre ma belle Nabiso. Oya au banque sa moutouté. Chacun est libre. Ya kolinga moutou à l'igui. Chacun est libre. Ya kobo ya moutou ya boui. Mais quand tu veux pas. La personne, tu restes chez toi, critiquer politiquement, vanda calme, ça va être mission normale comme tu veux, mais ne donne pas des injures. Tu peux te faire un commandement, qui vient ici, qui parle. Aïe, 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 aïe. Alors là nous sommes dans quoi? Là nous sommes dans la politique, là nous sommes dans la violence. Non, moi je parle de la politique et je demande du respect. Quand tu parles comme ça, tu es na bitumba. Non. Na quel bitumba te? Na zo faire voir. Na bato bato yeb sa bato ke ayate soka yeto obeta ye. Yo nani obeta muninga? Yo nani? Yo nani obeta muninga? Quand tu ne veux pas de moi. Combattre ngai politiquement na mutu na makofite soko lingi na makofi o kuta batabi ko ya makofi ya na lobi na tuni question na lobi te ngai na kusimba na tuni question na munduki ese batu baye poso boko baye poso simba munduka pario bazate na mbeli ese baye bo chambeli lokola yo bazate to na bambata baye bo beta bambata lokola yo bazate. Non, ce n'est pas comme ça, c'est pas ça la politique. La politique boketu est libre ya olinga Félix est libre ya oboya Félix, mais à manifestant autrement avec beaucoup de politesse. Tu sais, Boketchou, il a trop fait de bêtises. Trop, il a trop parlé, il a trop fait de bêtises. Mais je crois que limite la Maramoutou Zalak, c'est quelqu'un que je connais trop bien. Lui, c'est. Je l'ai sauvé déjà la vie. Ce n'était pas un bon endroit pour Naloba. Mais Boketchou, c'est là où il est. Quand il va me voir parler, moi, je l'ai déjà sauvé la vie ici en France. Je me suis dit, je me suis mis dedans. So bobeti boke chubino, so bobeti boke dubanga na la France. Et c'est ça. Je peux même les rappeler, c'était où aller bien. Donc on sait nga boke chou, azala humble, azala respect. Il y a bato. Parce que lui c'est parler, non, c'est pas bon. Alors on va retourner notre émission. La question me dit. Est-ce que le 30 juin, ce qui est ambassade de Nabiso Sali, fêti, le 30 juin, est-ce que Wade Nimoulambakoki, Aoyana Kata fêti? Qui ambassade a passé une invitation? Naoyana ambassade n'a pas au Congo, n'a Congo. Moi je pars au Congo. Hein. Moi je ne suis pas un combattant qui discute et qui parle seulement. Non, moi je pars au Congo. Moi je ne suis pas un bagarreur. Et je respecte. Pardon a dit, n'a pas moi point dans le Cambo. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Kobo ya pouvoir en place et les gens qui ont été il faut que les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont refusé ni na bango pour combattre la politique na bango na normal. Na ko koma na ba débat na ba ni na combattre la politique na bango te ya bango finga na bango. Non, ce qui ambassade a invité nga tant que Congolais, pas l'ambassade de PPRDT. L'ambassade ce n'est pas l'ambassade de Kabila, non. C'est notre ambassade. C'est notre ambassade. Si on a posé un document, attends, tu vas te faire un document. Tant que tu as un préfet, tu vas te faire un document. Il faut que tu aies un ambassade. Tu as un ambassade. Tu as un ambassade. Parce que c'est leur pays. Il n'y a personne qui peut m'interdire d'aller à l'ambassade. Personne. C'est notre ambassade. Ce qu'il faut, c'est que l'ambassade ambassade invité officiellement. Je vais partir. L'ambassade a pris ça dans un pays de PST. Non, j'ai des amis qui sont le PPRD, tu sais que mon ami Francis a autre démissionné dans le PPRD, c'est un frère à moi. Il y a bien une côte à raté, mais. Non, lui, c'est mon grand frère. Oui, ça a baroté que na Francis Kalombo, Pende Bozalana, Papi Tamba. Oui, Papi Tamba, c'est un pote à moi. Donc, voilà, c'est Papi Tamba, c'est un pote à moi, Francis Kalombo. Non, mon frère, tout ça, une incompréhension dans la politique. Il ne faut pas tout le même incompréhension, il y a bisous, il y a musique, il y a politique. Politique, ce n'est pas ça.
Moi, je peux être avec Papi Tamba. Quand on se trouve, quand on se retrouve avec Papi Tamba, on va parler entre amitié et Nabissot. Quand on tous en Papi Tamba dans un débat politique, je vais défendre drapeau et parti. Là, on défend le drapeau parti. C'est tout. Mon ami Constant Lomata, il est aujourd'hui comme gouverneur, Nanini. Attends, c'est quoi? Nakisangani, c'est des amis. Nazan Bamasa Bazaba député, Nabamasa Bazaba ministre, c'est ça, c'est leur truc. Mais ça, ce n'est pas dit que tout Kabouana va congolais parce que Oazan a PPRD, Oazan a MLC. Et non, les gens qui étaient à IDPS hier, ils sont aujourd'hui dans Nanini. La majorité. La majorité. Bazaki, la majorité, comme une opposition. Et voilà, c'est comme ça, Marmambo Wanabiso. Alors, Denis Moulamba, nous te disons merci beaucoup. Oyambi, c'est un cadre au Kitoko. Je veux rappeler aux Congolais que ça se passe ici. Les lots, c'est lié au drapeau et coma et pas Denis Moulamba, dans la salle Oya. 500 personnes, hein? 600 personnes. 600 personnes. Donc, c'est lié au drapeau. Bah, Congolais, nous surtout, bah, coma kaka awa. Ezala baptême, ezala matanga, ezala mariage, ezala anniversaire, ezala soirée. Soirée bientôt ya ba mongo na bana mbinza ngalima sans frontières kaka awa wade ni mula mbi sal oyo ezapena pona biso nyoso tout. Voilà pourquoi on te dit merci beaucoup. Alors pour tout kanga émission na biso ko loba ina bato bon na osenga na ba congolais tous à la fière eza eloko ya ba congolais nde ba salia. Musala ozo mono yo congolais amitié vraiment tient intelligence na repoto ko ba kozana cadre moko o ya biso ba congolais to ba no consommer pe Congo. Donc ça les gens à disposition na biso boya quand vous voulez la salle est là et oya mbino. Donc voilà quoi. Alors Denis Moulamba poto kabonelo ba to ba ko tala yo ba yo ke ba kombelo pour na politique na na Congo na yo na yu de peste na yo na Félix Tshisekedi na yo ko lo bana bangoni. Bon, en tout cas, la banana nous ferons aussi un bâtonnier sur merci. Oyo, bazo soutenir président Fachi, n'a profité n'a pas ma félicitation, n'a profité n'a pas sapé ami n'angai, ma collègue n'angai monsieur Oyo, bazo une chance y a Rosalana Kat y a bureau y a président président Félix. En tout cas, bazo souhaiter une bonne chance et puis n'a beau sanaté, n'a souhaiter sous bonne chance n'andenge bah reconduire. L'homme fort, il y a parti, il y a IDPS, Jean-Marc Abound, l'incontournable, en tout cas l'imbattable. Donc on a oublié ça vraiment, bah, courage et belé, à continuer toujours notre dynamisme, bon, à quitter, tout qui n'est pas à Bongoli, titre comme on a souka. Pour na yebi ke, yasimbi, oba benaga, yasimbi ntete, oye bomaganyoka, yemda bomaganyoka. Tout qui n'est pas à souka, on s'en a pas à tout y a IDPS, France, assez d'abord merci, président Chim, représentant Alexandre, Mamar Kassia, Félix Kabala, JC, et avec les autres que j'ai oublié leur nom, en tout cas Serge, tout ça, vraiment, tous ensemble. Donc, tout continuer, Moussala, Neto Bandai, tout Kenaoti Nasuka, jusqu'à la victoire finale. Merci. Voilà, merci à vous qui bino batulandi o émission qui ma solo Denis Moulamba lobina bino pour na UDPS et puis pour na Congo Mubimba. Biso de sepeli to yebi que ici kazali azola na biso pichu makuki la le garçon sondage azana biso azola na biso ici kazali to kobosa na yo nini de moulay na biso Jules Luki to pesimbo te mingi. Merci na Congo number 1 avec les Porto na collaboration autozana ngona Arnon Vuma 500 000 pixels. Nous vous disons merci beaucoup. Notre invité c'était Denis Moulamba, c'était bien avec Adil Ondolé, les célèbres journalistes beaux comme un dieu. Je vous dis merci. À très bientôt et bye.